Ok, salut à tous et à toutes, c'était le Kaiser Suprême Hieronymus Abaddon pour une nouvelle vidéo sur Broforce. Broforce, dans le Valverde, suprématie militaire, go go go. Ok, alors, bon ben on va dans le Valverde. Vous allez voir, ça va devenir très intéressant, je ne vous spoil pas. Alors le premier niveau, il est bateau. Le deuxième niveau, vous verrez qu'il y a une différence, mais qui est temporaire. Et ça nous montrera qu'est-ce qu'il y aura au troisième niveau. Vous allez voir, c'est un gros changement. Voilà, bon, là, il y a Satan qui compote avec ses potes, mais ça, on s'en fout à la limite. Ok. Meurs les cochons. C'est la BD cochons. Oh putain. Ah merde! Ah mais pourquoi j'ai pas utilisé la montre? C'est dommage. Ah ah! On va libérer un gars. Ah bah tiens, le Predator manque plus que les aliens. Et vous voyez ce que je veux dire? Et oui, il va y avoir les aliens de Alien, les xénomorphes. Ça, je me souviens quand on était petit, quelqu'un dans ma famille qui était plus jeune, il disait, pour dire le xénomorphe, il disait le cruciforme. Hein, bon, il s'était juste fourché la langue, ça arrivera à tout le monde. Mais moi, il disait des trucs encore pires à son âge. Ok, bon, là, il y a plein de gens qui sont morts. Oh mon dieu, c'est trop triste! Oh! Oh, ça vibre! J'ai jamais remarqué ça. Les toiles d'araignée ici aussi. Oh! Allez! Faut lutter contre la tuberculose, on fait disparaître tous les cadavres. Attendez, j'ai envie de faire le con avec la. Non, non. Oh, qu'est-ce que c'est? Une substance extraterrestre. Mais c'est terrible. Allez vite, on fait du sport là, torse nu. Et oui. Hyper fatigué, on est dimanche en fin d'après-midi, je suis hyper fatigué. Oh! Et mince! Putain! Ah, excellent. Merde. Oh, j'aurais pu sauter très haut. Voilà, ça dégage. Oula. Ah, bah ils sont morts. C'est triste. Oh merde. Voilà, ça c'était du niveau. Alors il était 44, maintenant il est 48. Là il reste 25 minutes. Ok, bon, on va s'arrêter à. Enfin, 25 minutes à peu près. Je suis pas non plus à cheval sur tous les détails, c'est juste une vidéo de gaming. D'ailleurs, il y a très peu de gens qui vont la voir, en tout cas dès que je diffuserai. Je vais essayer de faire un petit meme là.
Oh! Ah putain, ça c'est con ça. Ok, on recommence. Mais je suis le con là aujourd'hui. Ah, j'ai mis de la sauce sur mon... Oh putain, j'ai mis de la sauce sur mon pull maintenant. Et je sais pas pourquoi il y avait de la sauce sur mon ordinateur. Sauce japonaise là. Ok, bon, et bon, on s'est défoulé, mais c'est tout. Mais j'arrive pas à me concentrer, je suis désolé, je pense à autre chose là. Ok, lui, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est dans Die Hard. Je sais pas, j'ai vu un exposé sur ça, ou un documentaire. Yeah! Oh, ça c'est du méchant alien. 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 Ok, va falloir que je fasse à chaque fois que je tue un xénomorphe. Mais bon, c'est bon. Alien! Aliente! Caliente! Aliente, caliente! Je sais plus ce que c'est de Aliente. Alors là, ce niveau est assez spécial. Il... Si je dis pas de bêtises. Non, c'est pas ce niveau. On s'en fait un autre niveau. Oh! Saloperie d'extraterrestre. Oh, il peut renvoyer des balles. James Bond contre les extraterrestres. Ça, c'est le Moonwalker. Oh, putain. Et lui? Voilà, tu te casses la gueule, voilà. Voilà, ça, c'était de la broforce. Ok. Alors, je regrette vraiment l'époque où je... Je filmais là, le Alice Madness Retourne, c'était super, j'avais adoré ce jeu. Je suis con, j'ai cru que c'était celui qui a les cocktails Molotov. Non, c'était Indiana Jones, du coup les balles elles étaient limitées, je trouve. Allez, je vais faire péter le spawner, oh, c'est pas grave. Ouh. Ah mais merde, je suis con, j'ai plus de batterie. De la batterie, je veux dire des balles. Allez. Wow, ça fait de la géométrie là, c'est trop beau.
Ah, on passe par les égouts de... Pas les égouts de Paris, c'est les égouts de B612. Des pauses juste ah, bref c'est bon. Giger par HG Giger aux éditions Taschen. Ok, c'est les éditions Taschen là où je vous conseille le livre de Giger que j'ai lu. Alors c'est le seul livre que j'ai lu pour l'instant, mais c'était super intéressant et surtout c'est lui qui l'a écrit. Du coup il n'y a pas trop n'importe quoi de raconter par rapport au vécu de l'artiste. Ce type, c'est un génie. D'ailleurs, j'ai un prof, il a été. Il était à une conférence et je sais plus pourquoi il était resté coincé avec lui, mais je sais plus pour quelle raison, mais du coup il est resté tout le temps avec Giger alors qu'il était juste censé faire des autographes ou un truc comme ça. Ou une conférence, je sais plus, mais normalement il était pas censé rester avec lui. J'adorais le rencontrer. Alors, grand génie. Et puis en plus, le réalisateur du premier film Alien, c'est Ridley Scott. Et Ridley Scott, c'est un de mes réalisateurs préférés. Et encore, j'ai pas vu tous les films, mais. Enfin, pas tous les films. Enfin, j'en ai vu quelques-uns, mais j'ai pas tout vu. J'ai hâte de voir le film sur Napoléon de Ridley Scott, bien sûr. Puis ce qui est sympa avec la saga Alien. Les quatre premiers, les quatre premiers films Alien là, n'ont pas été faits par les mêmes réalisateurs. Et que ce soit dans l'écriture ou dans la mise en scène, c'est des films totalement différents. Le premier Alien, c'était un film d'horreur. Et alors que Alien 2, c'était un film de guerre. Et ensuite, c'était, je sais pas trop comment le décrire, mais c'est devenu des choses un peu différentes. Et c'est sympa. Bon, y a une continuité dans l'histoire, mais c'est des films totalement différents. C'est pas comme Marvel où c'est plus uniformisé. On n'aime pas, mais moi je trouve intéressant quand même qu'il y ait des trucs différents. Moi j'ai un peu arrêté de regarder les super-héros. Oh merde. Ouais, on va tout crabouiller. Taper. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Ok, je suis mort, mais au moins j'ai eu une belle mort. Oh, on va faire des écorchés. Alors, aujourd'hui, cours d'art. Ok, d'accord. Putain, mais qu'est-ce que je perds mon temps à jouer aux jeux vidéo? Je devrais faire des vidéos qui parlent de peinture. La Giger, on va se régaler. Ok. Checkpoint. Yeah. Oh oh oh. Oh putain, j'ai fait perdre tout ça en vie. Yeah. Par contre, j'ai plus qu'une vie. J'en ai plus que deux. Merde. Wow, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, oh, on va faire le petit niveau bonus, parce qu'il est important. Celui-là, il est pas important, je n'en sers quasiment jamais de là de ce que je débloque, mais je l'aime bien quand même. Et puis ça peut toujours dépanner, c'est sympa. En gros, vous allez voir ce que ça va lancer, c'est directement lié aux aliens. Oh, oh, et toujours, on a une seule. Mais heureusement, il y a un checkpoint dans celui-là. Oh, bonjour monsieur. Oh là, j'y vais trop vite.
Oh, bon là j'ai mérité un peu. Ça c'est rigolo ça. Oh. Ah oui, ça se remet en position de base. Vite, 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 vite. Vite dans les frites. Vite, vite, vite dans les frites. Voilà, ça c'est de la reine. C'est la queen, c'est la Mother Queen. La reine mère. Attends. Putain. Ouais. En fait, faut obligatoirement tuer la reine. Pour ce niveau. Ouais, ça c'est bien. Et ensuite, on remonte. En fait, ça marche. Ça... La sortie elle marche pas si on tue pas la reine. Des extrémistes extraterrestres. Ah, techniquement, si j'avais un cube, je pourrais le boucher. Et du coup, je serais en sécurité. Ah, voilà. Voilà, c'est un truc qui attire les aliens avec des phéromones. Alors, 13 ou 12? On va commencer par le 12. C'est midi 12. 18h01, ok. Ok, c'est bon, on a la moitié de la vidéo à peu près. Mystère Perry d'Afrique. Entrée, signale une entrée illégale d'aliens. Agissez vite et en profondeur. Au fond du fun. Ah, c'est rigolo la façon dont ça se déroule. Merde. Comment réveiller des extraterrestres vieux de plusieurs millénaires. Ok. Le truc c'est quoi? Oula. Des fois là en bas là où il y a la porte, il y a des trucs intéressants des fois. Évidemment j'ai pas le plus parti. Oh putain. Ouais, oh non. Là les petits facehuggers là dans ce jeu, la façon qu'ils font du bruit tout comme ça, ça me fait penser à l'ancien chat qu'avait mon frère qui est mort d'ailleurs cette année. Là. Ça s'appelait Grisette. Et elle avait un comportement des fois un peu à sauter dans tous les. Et sur tout le monde, c'est normal ça. Attends, je vais les tuer. Ah non. Attends-moi! Oh, je suis même pas tombé dans le vide. Ok. Noël, ça me faisait penser au chemin de fer. Merde, merde, j'avais plus le pouvoir. Les immigrants extraterrestres sont de retour. Toujours ce jeu c'est toujours la parodie. Et là en fait là les ennemis là que le dès qu'ils touchent le ventre il explose, c'est vraiment. Il y a beaucoup ils critiquaient Alien the Covenant comme quoi, et même les autres films, comme quoi en fait les. Ça faisait moins peur que dans le premier là, les accouchements parce que ça se passait hyper rapidement et enfin voilà c'était totalement différent et là du coup c'est vraiment exagéré au plus. Alors c'est à son paroxysme. Attends, j'attends qu'il passe en dessous. Oh.
qu'il fait? Oh! Oh putain, quel con. Retournez dans votre planète, on veut pas de vous! Oh, de l'acide, ça c'est de l'acide. Dans la version facile, ça y est pas. Trop cool. Attends, est-ce que je peux le faire couler? Ce serait trop cool. Ah non. Et là? Oh, je meurs pas. Il y a aussi, dans la version difficile, il y a aussi, vous savez, les bidons, là. Il y en a qui ressemblent un peu à des gris, mais qui sont un peu plus verts. Et en fait, ça balance de l'acide. Boom bitch. Oh mais merde. Allez le papy. Ok, ça c'était n'importe quoi. Ouais, l'autre jour, tout à l'heure quand je croyais que c'était une... quand j'avais loupé mon truc avec une agence, je pensais que c'était lui. Juste pour le fun. Voilà, il restera plus rien. Ça fait quoi si je tombe dedans? Là, il est où? Ah, je meurs pas. Je pensais que c'était de l'acide, mais non. Ou alors c'est une erreur. Alors. Voilà, bon ben, au revoir les amis. Ok, alors il est quelle heure? 8. Ok, encore 10 minutes. Ah ah ah, mais oui, on va voir la suite. Oula. Oula. Oh la queen. Elle m'a tué. C'est comme les humoristes, elle m'a tué. Ah, je meurs. Motion fire. Eh bien, viens, viens, viens. Il veut tous les attirer dans le coup. Par contre, j'ai mal au... Tant pis. Ah, je meurs.
Non, merde. Mais merde. Putain, je ferais mieux d'écrire au lieu de... Mais oui, ça c'est la solution. Là je sens qu'il va y avoir un boss. Ah bah oui. Enfin, boss. C'est vite dit. Merde, mais merde. Attends, je sais comment la voir. On va passer par en dessous. Oh là là, je suis à l'intérieur de lui. Non. Oh merde. Heureusement qu'il me restait deux vies, pas juste une. Ok. Alors. Je sens le prochain boss, il est juste après. Ah, il fait beau, c'est joli. Ah oui, on peut l'enlever, c'est vrai. J'arrive pas à me concentrer. Je fais n'importe quoi. Autant des fois je joue bien, autant des fois je fais n'importe quoi. Saloperie d'extraterrestre. Oh, on va la battre. Ta gueule, non! Oh, au pire, je fais le tout. Oh, je l'ai eu! Ah, on va essayer d'avoir l'autre. Oh putain, j'ai cru que je l'avais eu. Oh, la mort la plus conne de... Oh. Dans la version normale, il y a une seule reine ici. Là. Pas trois. Eh, mais j'avais vu un truc qui explose. Ok. Alors... Mad Max. Ok, bon, au moins on est allé en éclaireur. Alors, faut qu'ils aient le dos tourné. Kill Bill, kill débile. Ouais, bon, ouais, tout. Oh merde. Voilà, kill Bill contre les débiles. Délicieux. Bonjour madame. Et ça je le fais péter au cas où. Ah je meurs. Non, je pense que le film de Ridley Scott sur Napoléon, il sera
il sera, je sais pas s'il sera bon, mais je pense pas que ce sera une grosse merde et tout, parce que bah, je sais que Ridley Scott, il respecte Napoléon. L'important, c'est, enfin, l'important, il faudra quand même que le film soit bien fait. Hein. Je m'attends du positif. Je fantasme pas sur le truc, mais je m'attends du positif. Mais ça, c'est chiant. Enfin, ça, c'est le pouvoir de Robocop, et je m'en sers jamais parce qu'il faut s'en servir dans un endroit en sécurité. Et c'est super. Oui, recule pas, lui. Recule! Attends, on peut aller plus loin. Attends, je crois qu'il n'y a rien. Ah, il n'y a pas les autres vies. Ah, si, si, si. Ouais, bon, c'est un peu de la triche, là, ce qu'on fait, mais... Ok, ça, c'est plus mou. Ouais, ça va. Ah ben, il y en a plus. Bon ben, on va se débrouiller avec ce qu'on a. Oh là là, tous les tubes comme ça, c'est beau. Ah mais je fais comment pour l'atteindre? Bon, je suis obligé de mourir. Oh putain, il a failli m'avaler. Ouais mais il me faut les blocs. Merde, j'ai tout gaspillé. À moins que... Attends, oui. Oui. Vite. Ah merde, tout gaspillé. Et je meurs. Et quelle heure? Il est 17. Ok. Ça commence à 44, il est plutôt 17. Ouais, bah ça fait 40 minutes qu'on tourne. Ça, c'est mieux. Oh merde! C'est bon. Vite, 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 dans les frites. Là, je suis bon. Faut garder la barre en haut. Et là, il m'a atteint. Par contre, je sais pas comment il fait. Il y a de l'air, là, comme ça, qui passe de... Ah oui, mais j'ai pas de vie. Attends, je vais d'abord balancer quelques trucs explosifs. Attention, je suis obligé de... Merde, merde, merde. Putain, j'avais le meilleur. Pourvu que j'ai... Comment il s'appelle? Ok, bon bah je suis mort. Et il y en a trop... Non. James Bond contre les extraterrestres. Ouais, ça, ça sert à rien. Ok. Non, il faut que je monte en haut en fait. Merde, merde. Oh. Ouais.
Ok. Sauvez-moi! Bonjour, j'ai le pouvoir d'arrêter le temps. Je suis antiquaire. Attends, ça, je vais le détruire. Voilà. Merci, c'était gentil, mais je m'en fous de toi. Attends. Je vais utiliser un peu. Utilise la force, Luc. Ah bah, il est mort. Allez, ça, je vais le défoncer. Voilà. Alors, un cœur, ça explose pas comme ça. Ouais, non, mais tout explose. T'es débile. Bien sûr, c'est une parodie film d'action, mais on se croirait dans Star Wars 9. À la fin. Alors, bon, bah, il y a deux autres îles. Attends, il y a une autre île alien, mais on ira la prochaine fois. Au revoir à tous. J'espère que vous avez plu. Au revoir, bon ben, bonne journée et au revoir. Abonnez-vous.